Salut à tous les amis, c'est Aquasis et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur PokéCube Generations. Alors, je me suis installé le mode crafting, le craft guide. Pour cette bonne raison, je trouvais pas le craft de la Master Ball, je le trouvais nulle part. Et c'était l'objectif à la base que nous avions prévu pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est-à-dire se faire une fucking Master Ball. Attends, corpiche. Stop ! Est-ce que j'ai un corpiche ? Un corfiche ? Corfiche. Oui, je l'ai. Ça va. J'ai pas besoin de toi. Décède. Fort bien. Je disais donc, c'était donc l'objectif du jour, donc se crafter une Master Ball pour pouvoir, simplement attraper au moins un légendaire. Savoir Entei qui se trouve dans le Nether. Si on pouvait l'attraper pendant l'épisode du jour, ce serait pas mal. Alors voici donc le crafting de la Master Ball. Il nous faut 2 Magenta Dye avec un diamant, obsidian bouton et iron ingot. Alors d'abord la première chose que je devrais en faire, c'est voir exactement ce qui me manque ou pas. Alors j'ai déjà le diamant, c'est parfait. J'ai déjà le fer, 1, 2, 3, c'est parfait. Il me faut l'obsidienne et le bouton. Il y a le lien faré que là je sens qu'il... Voilà. Je sentais venir. Oh, il donne des BP chat. Cool. Bah écoute, tu vas là-dedans. Donc comme je disais, il va y avoir... Il y a un egg de Wootwoot. Il faudrait vraiment que quelqu'un m'explique comment faire crafter l'egg. Parce qu'à chaque fois, regardez, je le laisse là, mais il se passe rien. Voilà. Il est là et tu peux le récupérer. Ah non, tu peux pas. Si, tu peux, tu vois. Hop. Bon, j'imagine qu'il faut le laisser, il va sortir tout seul. Mais... Waouh. La terre s'est carrément, retournée toute seule. Bon, bon. Je me perds dans mon fil de pensée. Alors, nous allons faire donc ces boutons. Comment on fait des boutons déjà? J'ai complètement oublié. J'oublie tout mon Minecraft, vous voyez. Non, c'est avec de la pierre. De la pierre. Voilà, 2. Parce que je suis... Voilà. Il me faut également... quoi d'autre? 2 obsidiennes. Et du magenta dye. Pour faire du magenta. Comment on l'obtient ce magenta? Comment on obtient magenta? Magenta, il me faut du purple dye. Ou du magenta dye, il me faut du pink dye. Du rose red et du lapis lazuli. Ouais, ça me paraît. Ah, bah tiens, voilà, il a. Oh, bah voilà. Bah ouais, ça marche. Ah, bah oui, bah c'est comme ça. Oh, bah, c'était simple en fait. Est-ce que j'ai pas du lapis lazuli? Oui, j'en ai, oui. Et ben. Et j'ai de l'os pour me faire de la bonne mille. Bah voilà, c'est comme ça que je me fais du magenta dye. Désolé, je t'ai fait naître, mais je vais te tuer de suite. Voilà, j'ai sacrifié le reste de mon épée sur toi. D'ailleurs, je vais m'en refaire une. Ah, bah non, j'en ai déjà une. J'en ai déjà une de près. Ça va, j'ai pensé pour une fois. Alors. Plus sérieusement, revenons là, voyons voir un peu ce que nous avons. Hop, bouton, parfait. J'en fais 2 parce que je suis complètement swag. Bien sûr. Alors, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Alors, on va prendre le putain de tarasse maudite, le pamplemousse. Il faudrait vraiment que je me fasse des repousses et que je les foute autour de la maison. Parce que franchement, les Pokémon d'ici, je les ai tous eus, j'ai pas besoin de me faire chier. Je vais chercher des... Oh bah. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. J'ai bien trouvé des graines de radis. Même si je vois pas ce que j'ai en foutre, à part me les foutre dans le cul. Ceci étant une activité comme une autre, vous n'avez pas à me juger. Ensuite, voilà. Il me faut du pink dye. Pour me faire du pink dye, je vais avoir besoin de bonne mille. Et où il est? De rose red. Voilà, pink dye. Parfait. Et maintenant, on va se faire... Voilà, le pink tie et le rose red. C'est du magenta. Parfait. J'en ai 6. Je suis plus que ce dont j'en avais besoin. Oh oui, ça m'a même fait du purple. J'ai pas fait attention. Ce n'est pas grave. J'ai le magenta. Super. Il ne me manque plus que l'obsidienne. Et l'obsidienne, nous allons aller la chercher en bas. Il n'en faut que 2. Comme quoi, se faire une Master Ball, c'est pas ça demande pas tant de ressources que ça. Il vous suffit d'une petite séance de minage et vous avez tout ce qu'il vous faut. Bon, j'aurais peut-être dû penser quand même à prendre un petit peu plus d'obsidienne à la base. Bon, j'avais pas prévu de me faire vraiment les Master Balls. Enfin si,
Si j'avais dit que j'en ferais, mais plus tard. Bah, comme quoi, c'est le moment. Alors, par où j'étais passé déjà? Le truc, ça va être pour retrouver le chemin de la mine. Après rentrer, je me perds tout le temps dans cet endroit, c'est affreux. En même temps, il y a de quoi se perdre. Putain, ça va faire que 5 minutes que je filme et j'ai déjà mal à la gorge. Oh, ça m'aide pas, cette histoire. Bon. Par où? Par où, par où? Voilà. Un Teddy Ursa, je m'en fous. Qui a besoin d'un Teddy Ursa? Pas moi. Mais c'est mignon quand même. Donc on le pardonne d'être inutile. Ça aurait été bien que les mobs soient enlevés quand même. En fait, je pense qu'il aurait fallu que je mette le mode Pokécube et Pokécube Generations. Ça aurait rajouté un peu de. Bah ouais, ça aurait rajouté plus de défis encore plus longs. Donc non, c'était pas une bonne idée. Après, il y a des gens qui me demandent si je vais faire Pokécube Lineage. Ouais, mais je vais attendre au moins qu'ils aient fini de. Voilà, de faire un peu toutes les 5 et Pokémon de la 5 et 6ème génération. Et après, on fera ça. Après, je pense que c'est ceux qui vont me demander de faire l'autre mode. C'est quoi déjà? Pixelmon là? Je sais même pas. Honnêtement, moi ça me tente pas parce que c'est les combats au tour par tour et c'est chiant à montrer. Ça me tente pas du tout. J'ai un Oscarapti ou pas? Zubat. Attends, j'essaye de passer. Voilà, merci. Tu Taras. Zubat. Oui, je l'ai ça. En plus, c'est le dernier de la liste. Parfait, de l'obsidienne là. Voilà. Tiens, protège-moi, toi. Voilà, parce que je m'en fous complètement. Je sais pas si j'avais besoin de faire. Non, par contre, là, non. Là, non. Là, l'eau, elle est dangereuse. Là, j'aurais peut-être dû l'enlever. Hop, est-ce que j'ai des blocs? J'ai un bloc de terre, parfait. Pas besoin de plus pour bloquer de l'eau. Il suffit d'aller au bloc source et de l'anéantir. Allez, remonte. Remonte tel un poisson. Voilà. Bien. Au moins, ça, c'est fait. Alors maintenant, on va sécuriser les blocs de. Putain, pourquoi il y a de la terre? Pourquoi il y a de la grâce ici? Alors que tu m'expliques. C'est bon. Ce bloc est sécurisé. Je vais pouvoir le prendre. Faudrait vraiment que je pense à essayer de faire de l'enchantement sur certains de mes trucs, pas que. Pokécube, c'est vraiment un mode où t'as besoin d'enchanter, mais tu sais, on sait jamais. Ouh là, j'ai eu une très mauvaise idée là, parce que si je tombais, j'aurais pas eu le temps de sortir un bloc et je serais mort. C'est pas très malin de ma part, mais bon. Au moins, nous avons le deuxième cube. Maintenant que j'y pense, je devrais peut-être en prendre 4, puisque je. Ah non, oui, si, je devrais en prendre 4, puisque je peux me faire deux Master Ball là. À l'état actuel des choses, je peux m'en faire deux de Master Ball. Et honnêtement, je vais pas cracher sur une de plus. J'espère juste que c'est vraiment comme la vraie Master Ball et que ça gagne à tous les coups. Enfin, je ne sais pas. Je fais confiance à Manchu quand même pour ça. Oh bordel, forcément. Voilà. Attends, j'en ai pris combien là? J'en ai 3. Parfait, plus qu'un. Voilà. Ça nous fera une petite réserve. Comme ça, au moins, si je tombe aussi sur Suicune, je ne le manquerai pas celui-là. La mort de Raikou ne restera pas indéfendue. Et comme je sais que vous adorez que je triche, slash kill. Voilà. Ça vous apprendra un peu. Et je continue avec Toggle Downfall parce que fuck you la pluie. Alors, on va prendre. Oh, attendez, je vais faire un petit peu de tri dans ma merde là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je garde la pierre feu parce que je vais peut-être pouvoir faire évoluer un Pokémon. Ce serait pas une mauvaise idée. Attends, du coup, que fish, non, je le garde. Le raw fish, non. Ça, non. Ça, non. Voilà. Ouais, c'est devenu un peu le coffre à merde. Ouais, enfin, en même temps, je n'ai que de la merde. De toute façon, c'est le risque de quand tu joues un jeu bac à sable, de te retrouver avec plein de merde. Ça, c'est. Voilà. Normalement, nous avons ce qu'il faut. Maintenant, il est temps de nous faire deux Master Balls. Hop. Fuck. J'ai pas pris le deuxième diamant. Il est où? Il est là-haut. Décidément, ça commence bien. Allez. Deux diamants ici. Deux trucs là. Deux trucs ici. Deux boutons. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yo, les deux Master Ball! Alors, par contre, on va les laisser là, les Master Ball. Je vais pas les mettre dans ma barre d'en bas parce qu'il suffit que je l'utilise sans faire exprès et je vais me haïr pendant des heures. Maintenant, nous allons nous rendre dans le Nether et voir si notre ami Entei est revenu. Alors, wow, what the fuck?
Tu fous quoi là, toi? Bof, on s'en fout. Bon, fort bien, bien fort. Oh oui. Par où était Entei? Je crois qu'il était dans cette direction, si je ne m'abuse. Mais je suis une buse, donc ça va pas être facile. De toute façon, maintenant je peux lui balancer la Master Ball comme ça, étant donné que... Ah bah oui, il était ici. Il était ici et il n'a pas respawné. Ça, oui, il doit être dans le coin. Il peut marcher un petit peu quand même, il a le droit de se dégourdir les pattes. Ah oui, j'ai aussi capturé deux Pokémon, enfin, je les montre après, puisque j'ai essayé d'explorer un peu. Alors vous voyez là-bas, il y a une forteresse là-bas, tout là-bas. Mais encore plus loin, j'ai trouvé une génération complètement folle. Et c'est pas une forteresse qu'il y en a, c'est au moins 5 ou 6, tout ensemble, séparés par de la lave, avec une super génération. Franchement, c'était super beau. Faudra vraiment que je vous montre ça. Voyons voir. Ça ne m'aurait pas qu'Entei soit revenu. Enfin, même Raikou, il n'était pas tout à fait, immobile, hein. Il avait tendance un peu à aller un peu partout. Du coup, je vais quand même essayer de regarder un peu aux alentours parce que il serait pas tombé comme un con. Non, il semblerait peu que non. De toute façon, je l'ai, c'est mon Pokémon qui l'a anéanti. Du coup, à moins que ça l'ait anéanti aussi tout court. Dans ce cas-là, j'aurais aussi perdu Entei. Ah, bon, bah, de toute façon, on verra bien. On verra bien. Pour l'instant, en tout cas, il n'est pas là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir. Et je propose de refaire un petit peu plus d'exploration maritime. Pour la simple bonne raison que bah, j'ai envie un peu d'explorer de la mer. Hein, parce que. Disons, trouver un nouveau continent, quelque chose, je sais pas moi. Trouver quelque chose à faire! Parce que là, forcément, je commence un peu à caler au niveau des Pokémon à capturer. Parce que. Faut ouais, je commence à en avoir beaucoup. Hein. J'en ai. Bah, attendez. Je vais vous montrer ce que j'ai capturé. Houndoom et Mascargo. C'est-à-dire. Comment il s'appelle? C'est con. Malos et l'évolution de l'Imagma. Je sais plus comment. Voilà. Voilà lui. On dirait vraiment le Dr. Zoidberg. Et lui qui n'a la tête cassée. Mais c'est pas grave. Il y a vraiment un bel effort au niveau du comment on appelle ça? Du modèle 3D. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, j'ai pas besoin du crafting guide pour le moment. Mais ta mère! Voilà. Reprenons. Putain, j'ai déjà plus de bouffe. Mais ça se vide plus dans le Nether ou quoi? Je suis en quoi? Je suis en easy pourtant, faut pas déconner. En tout cas, c'est vraiment un beau Nether. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de belles générations. Voilà, génération naturelle est très très belle dans ce Nether. Franchement, c'est un plaisir à explorer. C'était long, c'était chiant, mais c'était un plaisir. Oui, les plaisirs longs et chiants. On appelle ça la sodomie. C'est comme ça que ça marche, les enfants. Alors, il semblerait effectivement que Entei ne soit pas là. Je propose donc de rebrousser chemin et de rentrer tranquillement en attendant quelques épisodes, voir si Entei reviendra ou pas. Je sais pas. De toute façon, je lis pas les commentaires de suite puisque je filme en avance. Du coup, si ça se trouve dans les épisodes, dans la vidéo de l'épisode précédent, on m'a déjà dit que Entei ne serait plus accessible et je me fourvoie d'illusions. Dans tous les cas, ce serait pas sympa. Des Mimigal et des Beaudrives, j'ai déjà ce qu'il faut. Merci. Si seulement j'avais autant de facilité à me souvenir des noms des Pokémon que j'en avais à me souvenir de mes cours, ça m'aiderait beaucoup. Oh, un Caïminus! Yosh! Je dois en avoir un, non? J'en ai déjà vu des Caïminus pourtant. Fais voir. Caïminus. Je m'appelle plus de son nom en anglais. Bon, on s'en bat les couilles. T'es niveau combien? T'es niveau 3. On va sortir l'Azumarill, mais on va le mettre uniquement en. Voilà, allez. Voilà. Juste un coup. Ah oui, Totodile. Voilà. Totodile. Putain, en plus, je le connais en plus. Killidio. Killibaka, ce à quoi. Oh, you fucking bitch. Allez. De toute façon, c'est difficile. Putain, il faut vraiment que je me refasse des Pokéballs. Attendez voir. Totodile, je l'ai pas? Yeah! Totodile. Non, je l'avais pas, ça va. Tant mieux.
Oh, ça m'aurait étonné de me dire que j'ai que j'avais déjà un Kaiminus. Ce que je veux dire, putain, j'adore Kaiminus, mais c'est mon second starter préféré après Arco. Et en parlant de ça, il serait peut-être temps que je reprenne mon Masco. Parce que bon, là, je suis plus dans le Nether, il y a donc aucune raison que je l'abandonne au profit de Azumarill. Il y a aucune raison. Parce qu'en plus, l'Azumarill, c'est pas trop ma tasse de thé, excusez-moi. Hein. Sans vouloir offenser tous les Azumarill qui nous regardent. Alors, donc. Lui, il va partir dans le machin. Voilà. Écoutez les amis, je vous reprends en vitesse. Je vais faire quelques Pokéballs parce que sinon ça va prendre trop de temps. Faut que j'aille reminer de l'or, des machins et des trucs. A tout de suite. Et me revoilà les amis, excusez-moi. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait... Ça a pris plus de temps que je ne le pensais. Ça m'a pris... Pouf, je sais pas moi combien de temps pour avoir tout ça. Mais cette fois au moins, on est paré. Voilà. Putain, j'ai dû créer une telle série de galeries en bas, c'est... Oh putain, qu'est-ce que t'as? Ah, Nosferapti! Ah! Ah! J'utilise mon repousse sur toi! Oh, joli le battement d'ailes. Joli, joli le battement d'ailes en sono. Encore un Kaiminus? Bon, de toute façon, j'en ai déjà un, ça me suffit. Je vois des Médiéna. Ah! Les méchants, le Médiéna, méchant! J'ai quand même regardé un peu autour parce qu'il semblerait que. Hey, si un Kaiminus que j'avais jamais vu ici, il y aura peut-être d'autres petites bestioles dans le coin qui seraient intéressantes. Je vois des Fantominus qui ne sont pas morts parce qu'ils se sont cachés du soleil, ce qui est tout à fait normal et je peux comprendre leur instinct de survie. J'ai vu un machin violet volant, c'est un Oscarapti encore. Ça m'étonne qu'il soit là, mais. Enfin bon. Je me rappelle pas être passé dans cette zone de la de l'île. Je pense pas l'avoir vraiment visité plus que ça. Je vois, enfin plutôt, disons plutôt, on va partir plutôt de ce côté-là de la map. Je vois des Nupios. Je ne vois rien d'intéressant par contre. Hein. Bon, mais là, les Magikarp, oui. Le problème, c'est que pour avoir des Pokémon évolués, il faut vraiment aller loin et le truc, ça prend longtemps. Même dans le Nether, ça. Oh, ça m'a mis au moins 2 bonnes heures avant que je puisse. Parce qu'il faut avouer aussi, la progression dans le Nether est lente. Puisque tu passes ton temps à sauter partout, à essayer de faufiler un chemin. Du coup, ça met beaucoup de temps. Et au bout de 2 heures, j'ai commencé à avoir des Pokémon évolués. C'est-à-dire avec un niveau 30-40. Autant dire, voilà. Ça a été fun. Heureusement, je regardais un dessin animé en même temps. Parce que sinon. Enfin, si on peut appeler ça un dessin animé. Bref. On peut appeler ça comme ça, j'imagine. Bref. Alors. Voyons voir. Rien d'intéressant. Ouais, il a gardé le biome marais, j'ai l'impression ici. Hein, puisque bon, les Axolotl et les Nénupio. Ta mère! Ta mère, la Nénup. Non, c'est l'Axolotot. Wesh. Non, ça va, c'était bien lui qui m'avait attaqué. J'étais pas sûr. Un œuf de poule. Je vais l'élever comme mon propre fils. Ou fille. Comment je peux savoir? Ce n'est qu'un. Ah, oh, bah oui, un œuf, donc mon propre fils. Ha ha! Take that, bitch. Enfin bref. Allons-y! Onwards we go! Ah, il y a de la neige là. Et Aqua a envie de voir s'il peut y avoir des Pokémon intéressants. Des Pokémon de glace. On n'a pas de Pokémon de type glace depuis le début, hein. Oh fuck me! Je regardais pas où j'allais! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Oh, un hippo! Un hippotrampe! Viens ici. Bon bah au moins il m'attaque, il va me suivre. Aïe. Je n'ai plus d'air. Je vais mûrir. Dites à ta femme que je l'aimais. Il ne me suit pas? Tu déconnes ou quoi? Il ne me suit pas? Waouh. Je ne te félicite pas pour ton manque de professionnalisme. Allez, il n'y en a pas un qui veut me suivre et m'attaquer. Est-ce que j'utilise les Hyper Balls dessus sur un putain d'Hippotramp? Le problème, c'est que je peux pas envoyer Masco sous l'eau comme ça là. Je peux essayer, on sait jamais. Attaque. Poursuite peut-être, ça fera son effet. Masco, tu peux pas essayer de plonger, faire un effort. Oh, vous voyez, il n'y a qu'un seul niveau de défense avec Azumarill, j'ai aucune raison de pas. Ah, wow. Ouais, non, je pense que je suis en train de perdre mon temps. Par contre, peut-être que je l'ai déjà. Horsey. Non, je ne l'ai pas. J'en ai besoin. Alors, tu vas ramener ton cul de merde ici. J'en veux un bas niveau pour pouvoir
pouvoir lui envoyer une. Voilà, tiens, t'es niveau 8 toi. Hop! Hyper ball. Tu vas me dire que tu manques un niveau 8 avec une. Voilà. En ce temps-là. Follow me, my minions. Oh, bordel. Je me suis laissé emporter par la robe d'hippotrempe qui me suivait. C'était joli. Bon, bah en attendant, j'ai beau avoir utilisé une Master Ball dessus. Enfin, une Hyper Ball dessus. Ça nous fait un de plus. Horsey. Hop. Maintenant, je check les sur la carte sur la liste à la fin de l'épisode. C'est beaucoup mieux. Oh, un cas d'oiseau. Est-ce que j'ai un cas d'oiseau? Je ne sais pas. Delivered. Ah oui, ah oui, deliver. Oui, j'avais déjà fait cette blague. Delivered. Oui, je l'ai déjà. Donc ouais, je fais bien d'avoir cette liste. Donc désolé, je t'attaque à coup de steak. Enfin non, à coup d'épée, c'est plus pratique. C'est vraiment les seuls Pokémon de type glace qu'on peut trouver dans cette zone. Je veux dire, il n'y a pas que ça quand même. D'accord, c'est un Pokémon sympa. Bon, il y a les Marcarins aussi, ça oui. Je veux un Mamochon. J'en ai rien à péter. Je veux un méga Mamochon et je veux lui grimper dessus et partir sur le soleil couchant. On m'a dit aussi que dans les souterrains, il y avait aussi des Pokémon qui se généraient. Faudrait aussi que j'aille faire un tour, mais le problème, c'est que... On peut pas dire que j'ai vraiment trouvé jusqu'ici de cavernes vraiment naturelles. La plupart a été faite avec la map là derrière. Maintenant ici c'est de la génération naturelle. Et c'est plutôt joli. Je voulais partir explorer de l'océan, mais je dois avouer que j'adore. Alors là franchement je peux vous dire, je crois que c'est mon biome préféré. Les biomes de neige plats comme ça, les plaines enneigées. Franchement je trouve ça super beau, c'est magnifique. Puis c'est super sympa quand tu veux te faire une petite maison, tu as de la place, tu peux te faire une maison type chalet, c'est très joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des obalis! Eh ben voilà! Oh putain, la tronche qu'ils leur ont fait. Je vais manger ton âme! Dup! Oh. Bon bah, il y en a un qui vient à moi, parfait. Oh! Sphil. Masco, je ne veux pas te presser. Mais je suis en train de me faire attaquer. Bon, je crois qu'il est un peu con sur la glace, alors je vais me lever de la glace. Hein. Ah! Masco! Il serait temps que tu viennes à ma rescousse. Merci bien. Il en est où? Putain, mais j'arrive pas à voir s'il en... S'il... Attends, fais plutôt poursuite, va. Masco, tu fais quoi, là? Masco? Tu peux pas attaquer, s'il te plaît. Masco! Il fait quoi, ce trou du cul? Bon bah, voilà, Sphil est attrapé. Est-ce que je l'avais ou pas celui-là? J'ai pas eu le temps de vérifier. Je me suis laissé emporter dans le... Non, je ne l'avais pas, tant mieux. Enfin, ça m'aurait étonné, je veux dire. Je me serais souvenu qu'il aurait fait une tronche pareille au pauvre petit Sphil. Au pauvre petit Sphil. Enfin, c'est vrai que dans un sens, ils ont à la base une tronche de... Oui, ben... Ils sont spéciaux, voilà. Pas les juger. Il me faudrait un métamorphe, sérieusement. Faut que je fasse copuler quelques Pokémon que j'ai. Genre le starter O que j'avais trouvé là, que j'ai capturé. Qui était évolué là, l'évolution de Gobu. Flobio ou Lagron, je sais pas lequel c'était. Je crois que c'était un Flobio ou un Lagron que j'avais. Oui, non, c'était un Lagron. Et enfin, j'ai toujours dit Lagron moi, mais c'est plus Lagron. Faudrait que je le fasse copuler pour avoir un truc comme ça. Et j'ai également checké aussi Masco sur la liste, étant donné que... Bah oui, c'est un Pokémon supplémentaire qui compte, hein, étant donné que c'est comme si je l'avais capturé. Les évolutions comptent, au même titre. D'ailleurs, dès qu'il aura évolué en Genko, faudra que je le laisse et que je m'attaque avec un autre Pokémon. Parce que sinon, bah, ce sera pas bon. Mais en attendant, les amis, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était Akosis pour la suite de notre aventure sur PokéCube Generations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur Facebook, Twitter ou AskFM si la vidéo vous a plu. Un petit pouce bleu peut toujours m'être utile. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et nous nous retrouvons au prochain épisode pour continuer à explorer cette magnifique étendue enneigée. Putain, c'est magnifique. D'ici là, je vous dis à très bientôt.